Oh, cette expérience de dingue, le vol et ski. Allez, faut redécoller là. Ok. Et allez, aujourd'hui ça part pour mon 100e vol, un événement finalement. Et pour marquer le coup, aujourd'hui ça part sur un petit vol et ski. Nous nous trouvons donc à la Clusaz. Là on est en train de monter au niveau de Balme. Et on va essayer de trouver un déco normalement emprunté par les speedeux qui doit être par là-bas. Bon, une grande première pour moi, je sais pas trop à quoi m'attendre. Heureusement je suis accompagné de mon guide du jour, Ben Parapente, qui a une forte expérience dans le ski-vol, donc ça devrait bien se passer. Bon, par contre, là, il y a du vent de cul, donc ouais. ça nous fait pas trop kiffer, donc on va voir si c'est décollable quand même ou pas. Mais en tout cas, on a peut-être moyen de faire pas mal de rods, donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, on monte en haut de Balme, et puis après, on va essayer de trouver le déco. C'est parti. Et on est pas mal sur les condis, là. Ah, ça va, la neige est pas dégueu. On sent les 15 kilos sur le dos en ski, quand même. Putain. Et allez! C'est bon ça! Prenez l'écho à ski les amis! Yeah boy! Oh là là! Incroyable! Bon, j'ai pas mis mon vario, c'est pas très grave, j'aurai un vol de moins de comptabiliser, je le mettrai en manuel. Mais incroyable 100e vol d'écho à ski! Putain, c'est tellement agréable, ça se fait tout doux, c'est excellent! Bon, on met plus de temps à décoller, j'ai trouvé. Pourtant, la pente était relativement importante. Mais ouais, super agréable. La voile, elle prend en charge vraiment progressivement. C'est vraiment trop, trop cool. Et allez, ça repose les skis. Bon, c'est timide, hein, mais incroyable. Et ça y est, Ben est arrivé. Elle a décollé, en tout cas. C'est trop beau. Oh, les sensations. Bon, je saurais pas dire si la voile est vraiment plus réactive à cause du poids, certainement, hein, étant donné que voilà, je vais rajouter quoi. Allez, je suis un peu plus lourd qu'habituellement avec les fringues. Et ouais, j'ai rajouté une petite 5-6 kilos, à peine 10 kilos, je dirais, de ski finalement. Est-ce qu'on peut se toucher une cime de sapin? Ça pourrait être fun, sans se mettre dedans si possible. Trop bien. Bon, j'ai plus grand chose, hein, mais ça cogite à fond là dans ma tête. J'essaye d'identifier le terrain le plus propice. Je pense que je vais me la tenter sur le terrain en long là-bas. Un petit peu à contre-pente, mais avec les skis, ouais, ça devrait pas trop poser de problème, je pense. Ce serait cool que je trouve un drapeau. Ok, le vent est plutôt dans ce sens-là. Incroyable. Putain, mais c'est juste ouf! Alors, c'est pas trop bien! Et allez! Putain, c'était excellent, gros! Bon, petite mésaventure pour le deuxième vol, prévol un peu rapide, et là on peut voir un de mes arrières qui se prend dans ma chaussure ou peut-être ma fixe, je sais pas trop, et j'assiste impuissant à la chute de ma voile dans la pente. Donc nouvelle prévol, bon par contre j'étale mon aile vraiment à l'arrache, j'avais une suée du futur, je fais bien gaffe aux suspentes et finalement avec la vitesse des skis ça finit par gonfler assez facilement. Ok, et bien ce fut laborieux. Mais ça finit par y aller. Oh l'enfer. Bon, je vous ai pas filmé, mais heureusement pour vous, mais en gros, je foire mon premier déco. Ça, vous avez vu. Et après, s'en suit une cascade de... Pas d'incident, heureusement, parce que voilà, j'ai pris le temps. Mais voilà, j'ai fait un tour de sellette dans la bataille, et du coup, il a fallu que je déconnecte mes élévateurs, que je reconnecte tout ça. Entre-temps, ma voile a glissé. Du coup, voilà, c'est parti sur un décollage en mode speed riding. Bon allez, on va se retenter un petit touch and go. J'ai
J'aurais dû rester dans la sellette pour l'instant. Et allez! C'est pas facile de garder le contact. Oh là là, c'est tellement fun. Hihi! Putain, les amis, je crois qu'il faut pas que j'essaye le speed riding. Je pense que je serai obligé d'arrêter le parapente après ça. Les wings avec les skis, mon gars. Merde. Allez, on va se tenter des touch and go pour ce vol. Essayer de, ouais, de toucher la neige, de conduire la voile au-dessus de la tête. On voit mes traces de tout à l'heure. Bon, moi, je suis régulier. Yeah, boy! Wouhou! Et ça repart! Oh là là! Yes, ça y est! Ok! Putain, c'est extrêmement stylé. Oh là là là! Yeah! Ah, trop bon! Ah, cette journée de dingue! Bon, en tout cas, si cette vidéo vol et ski vous plaît, pour mon 100e vol, eh ben, abonnez-vous, lâchez de votre meilleur pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé le vol et ski. Et moi, franchement, c'est vraiment une pure réussite, un pur kiff, quoi. Trop bien! On va encore une fois bien régulier, hein, sur les traces. On est loin du speed riding, hein. C'est des petites touchettes, mais c'est rigolo. Trop bien. Allez, on va poser. Ah putain, c'est chaud. Allez, une petite trace vierge. Yeah boy! Coucou! Et ça repart! C'est trop bien! Oh, cette expérience de dingue, le vol et ski. Faut vraiment que j'essaye le speed par contre. Hey, hey! Allez, faut redécoller là. Ok! Et le petit tap sur le. Ça passe, c'est bon ça. Trop bien. Ok, on la garde au-dessus de la tête. Hé, trop bien.